Nicolas Durand, donc je suis responsable technique de la distribution. Donc on est ici sur la commune d'Angeac-Champagne, en Grande-Champagne. C'est une distillerie qui est très ancienne, une distillerie traditionnelle qui date de 1965. On a une installation qui a été rénovée, donc il y a 2 ans, on a enclenché une grosse structuration du chai de vinification avec l'implantation d'un conquet élévateur peseur à bec vibrant, l'implantation de nouveaux pressoirs aussi, et puis derrière de la cuverie supplémentaire, toute thermorégulée pour faire des vins de très haute qualité, pour obtenir des eaux de vie de très haute qualité également. On exploite 4 structures agricoles pour à peu près 200 hectares plantés qui sont répartis sur 4 crus, à savoir la Grande Champagne, la Petite Champagne, les Fins Bois et les Bons Bois. On est une entreprise donc, qui réalise des prestations de vendange, de vinification, on réalise également des prestations de distillation et du vieillissement à façon. Nous, on est équipé de la New Holland Bro 9050L à bac central, donc la première sur les Charentes. C'est notre troisième récolte avec. Nous, par rapport à la bac centrale, il y avait un double intérêt qui était l'efficacité du vidage, c'est-à-dire que quand on sort du rang, on se met latéralement par rapport au rang et on vide directement dans un caisson de transport. Le vidage fait en 10 secondes, donc pour nous, il y a une réelle efficacité. Ensuite de ça, on réenchaîne directement dans un rang et il n'y a aucune manœuvre à faire, il y a vraiment juste à tourner en bout de parcelle. Et puis il y avait aussi la partie polyvalence avec une cellule Berthoux Cruiser qui fait 3 rangs complets plus 2 demi-rangs. Donc là pareil, l'objectif c'était avoir un débit de chantier conséquent, pouvoir passer rapidement avant une pluie, avoir une qualité de pulvérisation très bonne. On arrive à faire environ 150 hectares en une journée avec 3 appareils. 2 appareils qui font 2 faces et un appareil, donc la Berthoux, qui fait 4 rangs complets. En vendange, on est très satisfait. Nous, on est soumis à beaucoup de déplacements aussi sur la route. Il y a un vrai confort sur la route et dans la parcelle, pendant les chantiers de travail, dans les journées qui sont souvent prolongées en vendange, il y a un vrai confort aussi. De conduite en fait. Donc ça, c'est 2 gros atouts de cette gamme quoi. Ce qui est vraiment bien, c'est les paramètres sur lesquels on peut énormément jouer. On peut jouer sur la vitesse de secouage, le pincement. Ça, c'est quelque chose pour la New Holland qui est vraiment très, très intuitif et très bien fait. On peut vraiment jouer sur un grand nombre de paramètres et vraiment faire une vendange très propre suivant la qualité. Si c'est des jeunes vignes, des vieilles vignes, des écartements différents, on a une vendange qui reste très propre du fait de ces réglages qui sont vraiment très, très modulables. Il y a un gros atout qui est la commande à distance du nettoyage avec des bus qui sont répartis sur toute la machine et puis une télécommande qui permet de faire tourner tous les éléments à distance. Donc là, il y a un gros gain de temps également sur le nettoyage de la machine à la fin de chaque journée, quoi.